Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un tour très facile à réaliser. Un tour de prédiction qui, je pense, devrait vous plaire. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ceux qui l'auraient pas déjà fait et être notifié des futures vidéos. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la démo, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et avant de commencer, j'ai une petite carte qu'on va laisser ici, bien en vue, que vous, c'est une carte prédiction, on la verra tout à l'heure. Et j'ai ici un jeu de cartes qu'on pourrait mélanger un petit peu. Et ce qu'on va faire, on va prendre les trois cartes que je vais laisser juste ici. Donc vraiment, pour l'instant, on va les mettre de côté, ici également. On les verra après, hein, juste ici que vous les voyez bien. Et là, on tend le jeu à un spectateur. Alors vraiment, il prend le jeu en main et il va faire trois paquets. Donc il les coupe, 1, 2 et 3 paquets. Et du coup, forcément, il a coupé sur 3 cartes. Donc on va aller voir la première, la deuxième et la troisième. Vraiment, c'est des cartes que personne ne pourrait connaître. Donc la première, c'est le 7 de pique. La deuxième, c'est le 2 de carreau. Et la troisième, c'est le 4 de trèfle. Vraiment, 3 cartes totalement au hasard en fonction de ses coupes. C'est lui qui aurait pu couper les jeux, hein, je vous le répète, hein. Donc là, les 3 cartes ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on additionne les chiffres des cartes, donc 4, 7 et 2, et bien ça fait un total de 13. Alors 13, ce qui est intéressant, c'est que moi sur cette carte ici, c'est exactement le chiffre que j'avais noté. Vous voyez, première coïncidence. C'est fort, hein? Mais ce n'est pas tout. Au tout départ, j'avais pris 3 cartes aléatoires dans le paquet. Et ça serait fort que ces cartes soient exactement les cartes jumelles que le spectateur a choisi de couper. Et là, je trouve que c'est vraiment plus qu'une coïncidence, non? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et si vous voulez apprendre à réaliser ce tour très facilement, je vous invite à aller dans la description et de cliquer sur la vidéo explicative. Comme d'hab, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Si vous avez des questions, posez-moi-les sur les réseaux sociaux de préférence, comme ça on pourra discuter. Également, l'école de magie, www.magistreaming.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués, vous avez la plateforme de VOD pour des tours plus élaborés. Et également, ceux qui voudraient me soutenir, vous avez la possibilité de souscrire à Tuto Magie Premium directement en cliquant sur le lien de souscription pour avoir accès à des vidéos exclusives le lundi, des posts, des emojis, bref, tout du contenu en plus et même la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!